Grosse affluence pour la Nuit des Champions. Après 2 ans d'interruption, les spectateurs répondent présents et le spectacle est au rendez-vous. Parmi les invités, une importante délégation mauricienne, elle aussi en manque de compétition. Toujours continuer à s'entraîner et être motivé, garder la motivation, parce que c'est facile dans des occasions comme ça, dans des événements comme ça, de démotiver parce qu'on ne voit pas d'échéance qui arrive. Et c'est ça où le mental prend le dessus pour se dire bah, je reste motivé, je continue à m'entraîner parce que je sais que plus tard il y aura des occasions. La SCE présente plusieurs de ses boxeurs, dont Kevan Sala, qui malgré une salle entièrement acquise à sa pose, ne l'a pas emporté. Il est rentré fort et moi bah, pas autant, donc voilà, bah, le retard, pas pu rattraper. Plus de chance pour Fabien Bagrette. C'était un bon combat, c'était intense physiquement, mais c'est bien passé, content du résultat. On a beaucoup travaillé à l'entraînement et ça vaut le coup. Hein. De très beaux combats, un public enthousiaste, tout pour réussir une belle soirée et fêter dignement les 20 ans de la SCE de Vincent Deux. C'est vrai que là, franchement, ils ont envie de bouger, ils ont envie même, pas forcément la boxe, mais ils ont envie de sortir, ils ont envie de respirer. Et là, on a bien vu à Saint-Joseph, c'est vrai que c'était le top. Une autre personne avec un sourire de satisfaction, l'adjoint au sport, Henri Gloluette. C'est la fête du sport et de la boxe. Et en plus, aujourd'hui, il y a le rallye du Sud Sauvage. Donc on a un week-end très sportif. Mais en tout cas, cette soirée, un grand merci à la Fédération de boxe, au comité régional, à l'association, à tous les spectateurs qui sont venus de toute la Réunion. En tout cas, un grand plaisir de revoir cette halle pleine, le signe que les grands événements sont de retour.